Fin de cavale pour Moffa Sory Douno, le célèbre féticheur qui avait prédit en mars dernier la chute du CNRD, au plus tard en fin mai. Il s'est fait arrêter dans la soirée du jeudi 1er juin 2023 dans la ville de Siguiri, grande agglomération située dans la partie septentrionale de la Guinée, d'où il est originaire. Depuis ses prédictions funestes, il était activement recherché par les services de sécurité. Mais peut-on se poser la question de savoir comment a-t-il été mis aux arrêts? AfricaGuinée.com a tenté de lever le voile sur cette rocambolesque arrestation que même les fétiches de Moffa Sory n'ont pas vu venir ni montrer aux jeunes charlatans venus de Doko. Dans la journée d'hier, c'est tout d'abord une vidéo du féticheur qui a envahi la toile. Là, on le voyait très décontracté, assis dans la chambre d'un hôtel, rigolant avec un inconnu. Ce qui a accéléré son arrestation, c'est une interview qu'il a accordée à un certain journaliste venu de Cancan dans un hôtel de la ville aurifère de Siguiri. Suite à cet entretien, il s'est rendu en personne dans un commissariat de Siguiri pour avouer son erreur et présenter des excuses. C'est là qu'il a été mis aux arrêts et embarqué en destination de Conakry. Un proche du jeune féticheur revient sur le déroulement de cette surprenante arrestation. Moffa Sory a accordé une interview à certains journalistes venus de Cancan dans un hôtel de la place. Après l'interview, étant recherché par les autorités, il s'est rendu au commissariat central de Siguiri pour plaider le commissaire. Il a demandé au commissaire de tourner la page sur ce qui s'est passé et qu'il ne va plus répéter tout en présentant ses excuses aux autorités. C'est ainsi que le commissaire en question lui a dit de laisser se référer à sa hiérarchie. Après s'être référé à sa hiérarchie, il répond « Ça tombe bien, ce qu'on cherchait dans la marmite, on a trouvé sur la couverture de la marmite. Mettez-le aux arrêts et embarquez-le aux destinations qu'on a créées. » Au moment où je vous parle, il serait entre Kouroussa et Dabola aux environs de 22h30, a expliqué un de ses proches après quelques minutes de fait. À Siguiri, un des responsables de la police, contacté par le même média dans la soirée, a confirmé l'arrestation du féticheur. Il affirme à son tour que Moffa Sory Douno est en route pour Conakry.